Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc c'est-à-dire il y a maintenant 3 ans, vous faites mes séances régulièrement, donc vous avez énormément progressé, je le sais, vous me dites en message privé, et il y en a certains d'entre vous qui trouvent que parfois mes séances sont un peu trop faciles. Donc c'est vrai que je ne fais pas toujours des séances très très intenses, parce que j'essaie quand même de penser à tout le monde et à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, ça va être une séance très intense. Donc préparez-vous psychologiquement et physiquement, échauffez-vous bien parce que ça va être quand même assez hardcore. On va travailler pendant 16 minutes, on va avoir 5 parties, donc ça va être assez dynamique et puis on va faire pas mal d'exercices. Mais ça va être très physique, on va travailler juste avec le poids du corps et vous allez voir qu'avec le poids du corps on peut faire des séances très intenses. Et si à la fin de la séance vous trouvez que ça n'avait pas été suffisamment intense et que vous n'avez pas suffisamment transpiré, et bah là je peux plus rien pour vous, hein. Moi je suis là et vous êtes là. Bon, bah écoutez, moi j'ai peur, je me sens déjà pas bien à l'idée de commencer, mais on va y aller, hein, ça va bien se passer. Donc on commence tout de suite avec la première partie. Donc vous allez vous mettre en position comme ça, un peu gainage arrière, et dans 10 secondes on commence, là on se repose. On touche un pied avec la main opposée, et on redescend. On essaie de tenir l'équilibre, ici ça va travailler tout le corps. Pas la peine d'aller trop vite, faites des mouvements bien contrôlés. Ça commence doucement, ne vous inquiétez pas, l'intensité va arriver bien vite. Donc essayez d'avoir une position bien équilibrée. C'est difficile aussi pour les abdos là, parce qu'on essaie d'avoir un bon centre de gravité. Expirez bien. En touchant le pied, les fesses ne touchent pas le sol, très important. Pour les premières séries, à chaque fois je vous expliquerai les mouvements, mais au fur et à mesure j'irai plus vite et peut-être que je pourrai plus parler. Donc là on va faire un carré en sautant, en jump squat. Donc en avant, sur le côté, en arrière et on tourne comme ça. Les genoux jamais devant les orteils. Respirez bien. Le dos bien droit. Le regard vers l'avant. Les abdos bien serrés. Décroche.
lâche rien. C'était la première partie. Soufflez un coup, buvez. Le repos ne va pas durer longtemps. Je suis essoufflée. Hydratez-vous. Hein. Ouais, ce corps se détendre un peu. Parce que là, vous avez mal aux cuisses, comme moi, j'imagine. C'est que le début de la torture. La deuxième partie. Position jump lunge. Je vous explique vite les exercices avant de les faire. Comme ça, vous soufflez encore un petit peu. On va faire des jump lunge. Donc, comme ça. Comme ça. Le genou jamais devant les orteils. Gardez votre équilibre, respirez bien et allez à votre rythme. Si vous arrivez à faire que deux répétitions à chaque fois, c'est pas grave. Donnez tout ce que vous avez. Donc ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième, on passera au sol avec des mountain climbers. Les mains bien alignées avec les épaules. Et respirez bien, on va commencer tout de suite. Ça va être non-stop, pas de repos. Et on commence maintenant. Jump lunge. Allez. Il y a combien ? 6 circuits. On a la moitié. Allez. Allez. C'est le dernier. Allez, c'est bien. Mon cœur bat trop vite. Mon quart de fréquence mètre arrive plus à suivre. C'est des conneries. Là. Fini ? Oui, la deuxième partie, il en reste 3 maintenant. Donc buvez un coup. Récupérez un peu. C'est de l'interval training. Donc on a des petites pauses. Elles sont courtes. Pas trop longues. Voilà. Ça fait déjà 15 secondes. J'allais faire un geste mal poli à la caméra. Allez. Hop. Donc, on va repartir avec la deuxième partie. Avec la troisième partie, pardon. Et là. Allez, motivé. Hein. Ça va être. Pardon ? Motivé. Ouais, mais je suis motivée, mais m'emmerde pas. Allez. Bon, alors, donc, cette fois, on va travailler à fond.
par vous, ça va bien piquer. Donc on va commencer en position de gainage pendant 10 secondes. C'est parti. On tient bon. Bien droit. On se met en position de planche. Et là, en diagonale, à l'extérieur, on donne un coup de genou. En essayant de rester bien droit. Ça fait très mal au bras, mal aux abdos. Mais on tient bon. Si ça devient trop difficile, remettez-vous en position de gainage. Vous restez comme ça. Mais ne lâchez rien. On passe en position de gainage. Une ligne bien droite. On repasse en planche. Et cette fois, en diagonale à l'intérieur, on ramène le genou. Oh purée! Allez. Si on a besoin. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Il reste combien? Commando. Et ça c'est pour les guerriers. Allez. Doucement, va doucement. Allez, en bas. Allez. Allez, encore un peu. Allez, c'est bien. Oh, j'ai plus de bras. Il n'y a pas de vulgarité, hein. Allez, c'est bien. Voilà. Non, je triche. Allez, reste encore. Ah, c'est douloureux. On se remet en planche et cette fois on fait les levées de jambes. Il respire. Oh putain. Allez, go. Allez, respire. Allez, tiens. Allez, go. Bientôt fini. Allez, encore. Allez, encore deux. Fini? C'était la troisième partie, il en reste deux. Allez, break. Ça fait que 16 minutes au total, donc ça va, c'est gérable. Mais laissez-moi vous dire qu'on le sent bien. Oh là là. Souffrance absolue. Ok, non, je le disais aussi, c'est ça. Et maintenant, allez, on va faire
des jump squats. Donc là, je vous explique les exercices avant parce que pareil que tout à l'heure, je n'aurai pas le temps. Donc, les jump squats, les jambes écartées plus que la largeur des épaules, pieds vers l'extérieur, on descend et on saute. Comme ça. Donc ça, ça va être notre jump squat à nous. Et on va enchaîner ça avec cet exercice. Voilà. On va bien s'amuser, hein. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est bien. Allez, c'est que 10 secondes. Allez, vas-y. Doucement, allez. Voilà. Et jump. Ralentis, c'est trop dur. Hein. Allez. Allez. 5. Ah. Allez. Encore un. Allez. Ah. Allez, encore un. Allez. Allez, 4. Allez, encore. Allez. Allez, jump. Et regarde pas le temps, c'est que 10 secondes. Hein. Allez. 1. 2. 3. Allez, encore, on t'arrête pas. Voilà, c'est bien. Je me déteste. Allez, c'est bien. Bois, bois, bois. C'est quoi après? Ça a l'air difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des commando push-up. Donc, je vous montre vite fait l'exercice. On s'allonge sur le ventre. On monte. On repose. On va en faire deux. Ensuite, on roule et ensuite on fait la nage. Ensuite on revient et on commence les push-ups. Ça c'est le premier exercice, le deuxième je vous montrerai quand on va le faire. Ah, je récupère vite donc bon. Alors, c'est parti dans 10 secondes. Sur le ventre. Serre bien les abdos quand on roule, hein. Sinon c'est compliqué. Et si vous pouvez pas rouler, vous roulez pas, hein. Genre des bleus. Bah alors. Bah ouais. Ce sont les os d'épaule, les hanches. C'est pas grave. Faut acheter un plus gros tapis là. Ah. Maintenant, on va faire
des jump squats. Donc, toujours on reste bas. En haut. En haut. On reste bien bas. Et respire. Et respire, respire. Allez, 1, 2, roule. Allez, c'est bien. Allez, courage, allez. Ah. Allez, allez. Fini. Drink. J'ai pas vu galérer comme ça, hein, je sais pas. Ouh. Mais écoutez, cette séance est terminée. Je vous invite à aller vous étirer parce que là, vous allez bien déguster demain sinon. Et au niveau des épaules, et au niveau des jambes, au niveau des abdos, partout. Là, on a vraiment travaillé absolument tout le corps. Normalement, vous devriez être lessivé. Si c'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas donné à fond. Donc la prochaine fois, allez-y plus fort, allez-y plus loin, allez-y plus vite. Plus haut. Plus haut. Comme Fort Boyard. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Mettez-moi un pouce vert si vous avez aimé cette séance. Partagez-la. Lancez ce défi à vos proches pour voir si ils peuvent battre vos records, s'ils peuvent être plus forts que vous et aller jusqu'au bout de cette séance. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle séance. Ciao.